commencé avec 100 hectares et aujourd'hui l'exploitation elle fait en gros 430 hectares de culture et il y a 25 hectares de pâture. Il y a 3 ans, j'ai décidé de me diversifier en montant la bergerie et en faisant des moutons. Moi, le but du jeu, c'est surtout que ça colle par rapport aux travaux qu'il y a dans les champs. Donc quand je ne suis pas dans les champs, on peut se permettre d'être dans la bergerie, mais il faut pas... Moi, je me vois pas faire des agnolages au mois de juillet et août pendant qu'il y a la moisson à faire, quoi, c'est impossible. Plus de la télé au vin, source de revenus différente que celle des céréales habituelles. Ça, c'est un gros plus. La paille, ici, on l'a pour rien du tout, ou pour zéro, ou très peu. On a, moi qui suis producteur de betteraves, je peux récupérer mes pulpes. Et puis, l'orge, tout ce qui est, je fais de l'orge de brasserie, et je peux récupérer l'orgette aussi. Tout ça, c'est des sous-produits qui ne sont pas forcément très bien valorisés quand on les revend directement. Donc, la production ovine, ça permet de les rentabiliser beaucoup mieux. Et nous, on les a à des prix qui sont... intéressant. Sur les 3 premières années, ce qu'on peut dire, c'est que il a fallu 2 bonnes années pour se faire la main. Les premières années, au niveau économique, c'était plutôt juste. L'année dernière, c'était déjà beaucoup mieux. Non, la rentabilité est là aujourd'hui, quoi. Ça demande qu'à continuer. C'est une exploitation de 171 hectares de culture de vente. On est en Picardie, on est à l'est de la Picardie, au sud de la région Thiérache. Là, on est 4 à vivre sur cette ferme-là, grâce au mouton, parce que le mouton, ça ramène de la valeur ajoutée. On va dire 35 hectares de prairies permanentes et 8 hectares de luzerne. Il y a un troupeau de 800 brebis de race romane, avec du 3 agnolages en 2 ans. 350 brebis vont pâturer et donc vont manger, pour presque rien. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour baisser les charges alimentaires du troupeau. Les céréales vont fournir la paille qui va servir le troupeau pour l'hiver en bergerie. Les moutons vont faire du fumier qui va permettre aux terres de faire de l'autofertilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir concrètement économiser beaucoup d'engrais, de fumure de fond, du phosphore ou de la potasse, grâce au fumier des moutons. Et nous, sur l'exploitation ici, on ne met plus du tout de phosphore et de potasse chimique. C'est uniquement de la matière organique du fumier des moutons. Le mouton, c'est quelque chose de simple, avec quelques barrières, quelques auges bien aménagées pour travailler dans de bonnes conditions, c'est important aussi. Et le mouton, qui souvent, dans une ferme de céréalière, va faire ses agneaux, on va dire au mois de novembre, là où c'est plus calme au niveau des cultures, et bien il va ramener de la trésorerie au printemps, il va ramener de la trésorerie autour de Pâques, avril, et je crois que c'est la trésorerie qui est très très bienvenue dans les exploitations céréalières, parce que c'est là juste au moment où c'est un petit peu difficile. Je suis fils d'agriculteur céréalier. J'ai commencé en juin 2013. J'ai acheté 50 Antonaises romanes dans un bâtiment juste à côté. J'ai racheté des brebis, des agnelles supplémentaires jusqu'à monter aujourd'hui un troupeau de 600 romanes dans une bergerie en bois. Ce qui m'a motivé à faire l'élevage, c'est on est sur une zone accidentée, donc du coup des rendements qui sont limités, donc valoriser plutôt ces zones de coteaux avec de l'élevage. Je me suis plutôt dirigé sur l'ovin par rapport à la constitution du cheptel qui était beaucoup plus rapide en ovin, ainsi que le capital investi qui est beaucoup moins important et un retour sur investissement qui est plus rapide. Au niveau de la commercialisation, je travaille avec une coopérative, je suis en démarche qualité label rouge et derrière j'ai un suivi technique fourni aussi par les techniciennes de la coop. J'ai choisi ce type de bergerie en visitant notre élevage aussi et pour l'organisation du travail, c'est pas parfait mais il me semble que j'ai essayé de me faciliter les choses au maximum. Par la mise en place des cornes à 10, des couloirs autour, tout autour du bâtiment pour faire circuler les animaux et des aires de paillet qui sont assez larges aussi pour le confort des animaux. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'aller visiter beaucoup d'autres bergeries. Pour bien travailler efficacement, avoir plaisir au boulot, il faut bien être bien installé, c'est important. Le deuxième conseil, c'est de ne pas vouloir aller trop vite non plus, je pense. La production ovine, c'est également un moyen en fait, de diversifier ses revenus sur les exploitations.
Et c'est aussi un moyen d'ailleurs de créer de la valeur ajoutée sur les exploitations céréalières pures. Ça peut permettre une alternative à l'agrandissement. Hein. On a, dans nos régions, on a un foncier qui est quand même relativement lourd et coûteux. On peut permettre l'installation ou l'embauche d'un salarié, ou en tout cas conforter un salarié sur une exploitation grâce à un atelier au vin.